Hello there, c'est Skull. Bienvenue dans un nouveau épisode de The Binding of Isaac. Je continue sur un run de Judas parce que je voudrais vraiment que ça marche. Ou pas d'ailleurs, je suis en train de regarder. Je vais randomiser peut-être. Ouais, on va faire un petit random. Allez, quand même. Et on est sur Kane. Et Kane, je vais devoir aller battre Isaac avec lui. Parce que j'ai déjà battu. Ah non, je sais plus en fait. Merde. Je suis allé à The Chest avec lui il y a pas longtemps, donc non, je vais devoir aller à Sheol pour être sûr de débloquer un nouvel item. Histoire de faire progresser ma sauvegarde quand même. Allez, la première salle, c'est toujours la salle la plus magique. What? Mesdames et messieurs, l'item le plus mauvais de Isaac. Le kamikaze. Donc ça te fait sauter en tant que... Bon, enfin comme un kamikaze. Donc voilà, la première salle est toujours la plus magique, hein, là, en l'occurrence, c'est la déception. Et putain, je le réutilise avec Eve à la limite pour me mettre en mode super vénère. Mais là pour le coup, c'est pas cool du tout. En plus je suis dans le Cellar, c'est-à-dire que je peux tomber sur cette espèce de boss à la con, le Haunt là. Enfin, il y a toujours Monsieur Dong Dong là. En fait, la prochaine fois, il faudrait que je la dirige vers quelque chose d'utile. Par exemple, les pots. Parce que quand tu pètes les pots, c'est comme dans les Zelda, tu peux trouver quelque chose. Bah, allez, for fun, je le prends. Donc, voilà. Donc, maintenant, on tire en mode signal carré. Avec la bombe, je vais prendre ça parce que ça me permettra d'avoir un cœur bleu. Merci. Ou peut-être une small rock, si vous êtes sympa. Oula, c'est un VXL ou quoi? Waouh, ça tire bizarre. J'aurais vraiment pas dû le prendre. Ah là là, c'est... Ça pue. Les caca, on pourra les tirer aussi. Le boss rush avec Kane, je l'ai pas fait, donc on va essayer d'aller vite. C'est parti. Hop. Widow, pas de soucis. Oui, je viens de le faire. Juste pour le troll, parce que je l'avais jamais fait. Même dans la première version d'Isaac. Donc là, pour la première fois, je me suis kamikazé dans un boss. Je sais pas si ça a servi à quelque chose, mais au moins c'est fait. Donc achievement dans la vie, se kamikaze dans Widow. Ok, donc ça s'est parfaitement bien passé, aucun problème. J'espère que le dégât que je me suis mis dans la tronche ne m'a pas réduit mes chances d'avoir un... Oh, ça par contre c'est génial. Ne m'ont pas réduit les chances d'avoir un... Deals avec le devil. Donc, rien d'intéressant, on se barre. Hop, hop, et hop, et hop, on regarde la petite pendule, est-ce qu'on est devant? Oh. Ah oui, ils ont mis une sécurité maintenant pour éviter de tomber par erreur dans les floors suivants. Ok, très bien. Donc ça, c'est pas pour moi. Donc j'ai 3 cœurs. Ce truc là, il va falloir le changer vite fait. C'est vraiment pas terrible. Le signal carré là. C'est Isaac, il est parti à un cours de physique et il a trouvé un signal carré dans un serpent. Donc je vais ouvrir ça parce que j'ai beaucoup de clés. Donc le 1, je sais plus ce qu'il fait. Oh ! Ah bah ça y est, je me souviens ce qu'il fait. Il reroll. Donc bah, ça m'a reroll certains pouvoirs, j'ai quand même gardé signal... Non, ça m'a reroll tous mes pouvoirs. Donc j'ai maintenant Robot Baby et le truc qui flotte. Donc voilà, Robot Baby, j'ai du mal à l'utiliser, voilà, donc en fait je n'arrive pas à le diriger pour que ce soit... En fait il tire en fait à sa sauce et je comprends pas comment on l'utilise. Donc pour l'instant c'est le drame. Bon de toute façon on a eu des poux... Donc c'est très bien qu'on ait eu un petit reroll parce qu'au final on a gagné... Oh là. What? Ok, j'ai pas cherché à comprendre ce qui s'est passé lors de cette interaction. Voilà, donc il tire comme ça, mais je vais pas chercher à essayer de le maîtriser. On va dire qu'il tire dans la direction générale des ennemis, avec un peu de chance, et voilà. Est-ce que j'ai une bombe? Non. Donc je m'en vais. Par contre, si, en plus je suis con, parce que si j'avais une... C'était quoi ça? Donc ça... Voilà, parfait. Voilà, on a tout explosé, on a gagné plein de choses. Alors c'était parfait ce qui m'a fait le robot baby, en fait c'est pas si mal, c'est juste qu'il faut faire genre elle est pas là. Et que c'est un bonus quoi. La dernière fois que je l'ai eu, j'ai essayé de le placer, parce que je peux le diriger, mais je peux pas le faire tirer correctement comme je souhaite. Ça c'est un peu regrettable. Oh, alors ça quand je vais vous montrer l'effet de cette carte là, vous allez exploser de rire. Pour ceux qui connaissent pas, c'est assez plaisant. En avant. Ok, donc j'aurais peut-être dû garder ma carte. Je me demande ce qui se passe si je mets carte Against Humanity maintenant. Donc en fait... Ouais c'est ça, donc tant qu'il repère un ennemi, il tire.
bravo. Voilà, faut vraiment pas que je m'occupe du robot baby, en fait, ça me fait bugger. Donc pas de 10 avec le devil. Oh, magnifique. Connard. Fils de pute. Non, ça c'est interdit ça. On dit pas les gros mots. Oh. Est-ce que je peux lui mettre un truc dans le nez à ce monsieur? Là pour le coup, j'ai réussi à caser mon robot baby. Mais tiens, ils font des trucs vraiment chelous. Alors, ça c'est pas gentil ça. Ok, bon, au moins Krampus on sait qu'on l'aura pas pour plus tard. Mais en fait je crois qu'elles aiment pas le feu. Je crois que les signaux carrés ça aime pas le feu. Ah mais qui est idiot aussi de prendre ce bonus. Je le regrette, pour le LOLs, ouais, bah, ça coûte cher le LOLs, hein. J'aurais pu aller chercher SS4. Ah non, c'est vrai, je suis dans un timing serré. On va commencer par la salle la plus dure et on va faire un truc comme ça, genre... Et on va continuer à exploser les gens dans la salle. C'est incroyable ces tirs de là, je suis sans voix. Bon, la musique dans ce jeu, vraiment, je la trouve, mais... Je sais pas, ça rend pas tellement quoi. J'ai pris quoi, là, comme dégâts? J'ai pas fait attention. Faut vraiment pas que je me serve de ce robot baby. Ah, ça, c'est un bon bonus, ça. Ça, c'est une bonne situation. Non, mais ça me... Attends! Ils sont allergiques au caca, les signaux carrés. Je suis vraiment confus quant à ce run. Pour l'instant, c'est le signal carré qui me trouble. Je fais vraiment n'importe quoi. Oh la vache, en plus, je m'enferme. Ok, il y a moyen de jouer avec. Il faut juste que je m'entraîne un peu. Je suis de la mauvaise foi. Par exemple là il est synchronisé avec moi à peu près. Ouais c'est pas mal. Il y a de l'idée dans... Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Allez on le pourchasse. Ah en fait faut que je coordine mes mouvements. N'importe quoi. Ok. J'ai mon pouvoir. Oui je veux mon boss. Genre rapidement. Oh ça c'est quand même super classe. On va garder la tête, on va placer le robot baby et il va faire le job. Ok, ça marche comme ça, je commence à comprendre. Très bien. Hop, 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 et on n'en parle plus. Très bien. Pas de disait avec le devil, bien sûr. Hein, je fais un perfect, mais bon, c'est pas grave. Hey, l'odeur. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose dans ce floor? Non, allez, on va y aller. Même pas les sales curses, les trucs comme ça. Non, 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 je vais faire mon boss rush. A priori, ça me donnera un item. Quelle salle de... C'est une pure salle d'enfoiré. Surtout avec le robot baby. Ok, bon. Vache. Oh là là là. Ok, je commence à comprendre comment ça marche. Par contre, je suis vraiment pas à l'aise du tout avec mes tirs. Et dès que j'aurai un peu de dégâts, ça ira peut-être un peu mieux. Faut que je fasse... Le problème, c'est que diriger trois choses en même temps, c'est pas facile. Trois choses. Bah si, ça fait trois. Enfin, je crois. Ta direction à toi, tes tirs à toi, bah là, je joue pas du tout avec. Parce qu'en fait, elles sont pas terribles, les tirs. Donc, bah dis bon, c'est le drame. À quoi ça sert de penser au boss rush quand tu peux même pas assurer ta propre survie, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'étais obligé de lâcher une bombe, hein, c'était scandaleux. Pourquoi je suis rentré là? Je sais pas. Si, je sais pourquoi je suis rentré là. Non, mais faut arrêter le troll, là. Ok, une batterie, ça c'est... Ok, je veux la batterie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dépose une bombe et maintenant on peut piquer dans notre banque personnelle. La banque personnelle parfois fait ça compliqué et nous lâche
pas beaucoup de sous. Et une fois qu'on a piqué dans la banque personnelle, on remet les sous dedans. Parce que plus on économise dedans, et plus on aura des meilleurs items pour le run suivant. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de... d'économe, on va dire. Alors, le but, là, ce serait que tu tires sur le... Voilà, donc il est presque. Voilà, parfait. Continue comme ça, bonhomme. Non ! Je n'ai pas confiance en mes tirs, je n'ai pas confiance en ce robot, je n'ai confiance en personne. La vache. Ça, ce n'est pas gentil. Ok, donc là, on va placer le robot. Alors, par ici. Oh là 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 là. Je vais faire revenir le robot, en fait, là. Voilà. Alors, juste à leur faire marcher dans mes traces de sang. Voilà, pareil, le robot. Allez. Je sais, la vie est dure. Ouais, je vais quand même le faire avec mes tirs, hein. Hop. Ouais, mais ouais, cave 2, something stings. Allez. Et j'ai pris un dégât, dommage. Parce que là, pour le coup, il me faut... faut que je me débarrasse de ce truc. Allez, c'est parti. Oh, j'ai toujours pas montré Cards Against Humanity. Bah, je vous montre maintenant. Voilà ce que c'est que Cards Against Humanity. Accessoirement, je voulais gagner du temps pour aller au boss rush. Je viens de mettre une épine dans le pied. Donc voilà, donc je peux largement déposer une petite bombe. Et donc ça fait ça. C'est pas terrible. Peut-être pas dû le faire tout de suite. Mais bon, au moins. Vous avez vu ce que ça fait. J'ai une pierre secrète ici. Enfin, une pierre secrète. Une pierre qui va me donner quelque chose. Voilà. 1, 2. J'ai eu retour sur investissement. C'est parfait. Je vais essayer de chercher le shop. C'est bien. Oh putain, j'ai failli avoir une frayeur, mon dieu. Oh la vache. Le shop, 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 ça c'est pas terrible, ça allez, je prends le pari. Fuck this shit. Ok, on va chercher le pouvoir. Oh mon dieu. Player card, reusable eternity. Est-ce que c'est mieux que Krampus Head? En fait, je vais l'activer maintenant. Et je vais aller rechercher Krampus Head. Et on va essayer de... Il faut vraiment que ces tirs là, ce bonus là, il faut plus que je le prenne. Mais jamais. Jamais. Vraiment, c'est une perte de temps. Et ce robot qui tire et parfois qui tire pas, c'est d'une frustration. Donc là, je reprends ma carte de... Ça dit, si j'arrive à faire 6 rooms avec... cette carte, je peux décemment avoir un cœur supplémentaire. Le seul problème, c'est que là, je prends des dégâts normalement. Oh la vache. Oh là 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 là, ils sont trop trop bons. Donc là, faut pas que je prenne un dégât en plus, ou alors. Ou alors. Non, non, je peux jouer ça, ça va pas ou quoi. Ou alors, est-ce que j'ai un cœur bleu à vendre là-dedans? Je crois que j'ai déjà pris. Ouh. Oh! Mais suis-je bête? Alléluia! Et voilà, voilà. Maintenant, on va aller chercher notre tête de Krampus. Et ça nous fera assez d'HP pour le reste. Si on retombe sur une batterie sur le floor, bah, on ira l'utiliser avec notre player card. Pensant là, je préfère recharger ma tête de Krampus pour le boss à venir. Qui d'ailleurs va être un truc assez méchant, normalement. Je me sens pas stupide. Là, faut juste regarder les boules vertes et esquiver. Enfin, maintenant, faut tirer aussi. Ok, nickel. Je suis pas mécontent, moi, pour avoir joué la carte, la player card, pas trop mal. Enfin, pas trop mal. Juste d'avoir pensé qu'il y avait une batterie au shop, quoi, c'est pas compliqué. Ouh, il y a eu quelque chose qui m'a défendu là. On continue. On laisse le robot faire. Ou pas. Ok. On a notre mouche qui fait des dégâts. C'est parfait. Ok, très bien. Hop, 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 hop. On a notre tête de Krampus. Ça, ça nous sert à rien.
On n'a pas cherché les bonus aussi, parce que je sais pas pourquoi j'ai l'idée de faire le boss rush. Je suis complètement entêté, et il va falloir que je me débarrasse de ça la prochaine fois. Mais j'aimerais tellement avoir de nouveaux items et réussir à compléter le jeu. Enfin, continuer à compléter mon jeu plutôt. Ok, donc là j'ai pas mal joué, c'est cool. Après, ce qui serait pas mal, ce serait que je prenne pas de dégâts au boss. Et que je me fais un bon disque avec le devil, un bon brimstone. Un bon, bon truc de vol, j'en sais rien. On va voir. Je pourrais peut-être même m'offrir une deuxième recharge de Krampus. Je ferais bien de faire ça en fait. Parce que mon boss rush pour l'instant, que j'y sois ou pas, ça va rien changer. Parce que je peux pas le faire, parce que je suis pas assez puissant. Et si j'utilise mon brain un peu, à un moment, peut-être falloir penser à la survie de ce run quoi. Oh là là. Comment tu veux faire un boss rush si tu te... Ok, il est facile ce truc là. Il est facile sauf que j'ai absolument pas... Put. Je voulais le mettre dans le nez, hein, je vous assure. On va laisser la mouche. Oh, ça c'est gentil ça. Ça c'est gentil. Ça c'est pas gentil. Ils m'ont offert... C'était limite pour dire bon, t'as été nul mais on va t'offrir un lot de récompenses. Donc là les mouches dans le sang. Voilà, parfait. Oh lord, là je me suis... Oh peanut. Ok, oh là là. C'est chaud patate. Donc là je vais rester au fond de la salle le temps que le robot baby fasse son boulot. Là il n'y a plus... Oh là 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 là. C'était une sale patate ça. Elle est super bien cette mouche. Hein. Ok, donc on a deux Krampus. Donc, c'est-à-dire que si j'arrive pas à one-shotter ce boss-là avec un premier... tête de Krampus, je peux le faire avec une deuxième. On a tout découvert. Évidemment, j'ai pas essayé de chercher la salle secrète parce que, bah non, je peux oublier les principes d'Isaac. C'est pas grave. Et encore une chance. Oh là. Parfait. C'est parfait. C'était savamment joué. Oh. Alors, le problème des deals avec le Angel, my god. Flight et Spectral Tears, c'est pas mal. Par contre, on s'est toujours pas débarrassé de ce truc. Et ça, ça fait chier. What? C'est quoi ça? Ah, c'est un espèce de super Krampus. Non, je m'en vais. Je peux pas m'en aller. J'ai pas de dégâts, j'ai pas Krampus. Please help me, good lord. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, j'arrive pas à deviner quand est-ce qu'il... Bombe, bombe. Voilà, bombe. Nice. Ah, c'est la mouche qui nous fait les dégâts, c'est la mouche jaune. Allez, petite mouche jaune, on prend en toi. Ok. Ouf. Ok, c'est bon, je sais ce que c'est, je suis déjà tombé dessus. Enfin, je sur le coup, je... C'est pour le late game. C'est pour plus tard, loin, après. Un truc qui nous regarde pas. Bon, au moins on a le vol, ça c'est très bien. Plus c'est Spectral Tears, c'est pas mal non plus. C'est la version gentille et peu coûteuse. Par contre, pourquoi ça nous donne une aussi sale gueule pourquoi on a une sale gueule comme ça? Et c'est Tears. Je peux pas viser correctement avec de tels Tears. Enfin, ce serpent. On n'a même pas eu un trinket pour le remplacer, quoi. C'est vraiment regrettable. Je peux pas viser, mais genre rien du tout, en fait. C'est ça qui me coûte... qui me coûte la vie. Ouais. Bah tu sais quoi, je vais jouer ça juste pour me débarrasser de ce trinket. J'ai 4 pièces encore. Allez, non sérieux. Sérieux. Oh Dieu merci. Je sais pas ce que ça fait mais je la prends. Je... Voilà. Et en guise de récompense, je t'explose, je prends la clé et je me casse. Voilà, donc je sais pas ce que ça fait Broken Hank, c'est un truc que j'ai déployé. Que j'ai débloqué récemment. Ah, ça fait du bien de tirer droit. What? Je n'ai pas compris ce que j'ai pris. Ok, donc là, du coup, le problème, c'est les gars. Même si on a lui. Enfin, lui, quand il veut bien tirer, je comprends toujours pas pourquoi il veut pas tirer de temps en temps. Ok. Ok, ça, c'était ça avant de jouer. Mine de rien, on a de la défense. Hein. On a une mouche quand elle est pas en vadrouille. On a une petite qui tire une seule sur deux, en fait. Oh, peut-être que je sollicite trop tellement je suis mauvais. Oh, il nous faut vraiment du dégât là. Ok, donne-moi ça. Et on va aller faire cette salle-là.
Oh, au revoir. Je veux pas te voir. Ben on va aller faire la suivante. Oh putain, j'aurais dû garder mon crampus pour maintenant, tiens. T'imagines, je me serais mis au milieu de la salle et je l'aurais tiré. Alors là, le problème, ça va être... ah bah non, c'est pas un problème parce qu'en fait, je vole. C'est bien. On va essayer de le faire comme ça. Est-ce que mon bébé voudrait pas revenir là, genre? Ah, j'ai vu un rayon passer, je pense qu'il doit être à Veracruz. Ah oui, je tire droit maintenant, ça sert plus à rien d'essayer de faire de l'approximatif, je tire droit. Je ne suis pas sujet à la creep qui est au sol par ces messieurs. Mes dégâts sont pas si... Ils sont atroces. Ils sont un peu atroces quand même. Donc, hop, tranquille, là, ça va pouvoir... Qu'est-ce que c'est que ça? Fear shot. Ah, très bien, si, je vois ce que c'est. C'est plaisant, nous allons faire peur à nos ennemis. Ça, c'est pas cool. Tiens. Vu que t'es décidé à tirer, défonce-moi ça. Non mais tu mets pas au chômage comme ça de dire direct. Rapproche-toi, voilà. Bon, je vais t'aider un peu, mais oh là là. Ouais, ce que je perds, c'est utiliser mon cube. Voilà, comme ça, c'est mieux. On va utiliser le cube. Voilà. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est facile. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pas de grid. Oh putain. On a des choses très intéressantes, notamment la... je réfléchirai à ça plus tard. Les clés. On verra. Mais c'est dingue comment il se met au chômage tout seul. Ou alors, je sais pas, il est syndiqué peut-être, mais... Oh, c'est pas gentil, c'est nul ce que je viens de dire. C'est pas bien. Faut pas m'écouter. C'est pas vrai, pourquoi le robot s'arrête de tirer de temps en temps comme ça, genre... Voilà, je vais prendre des vacances, je reviens l'année prochaine. Bon courage. Voilà. Non, enfin là, il faudrait que je le place. Voilà, là, il voulait bien. Allez, au cas où je regarde. Je serais bon, j'utiliserai tous les cœurs et j'irai chercher une petite amélioration, mais malheureusement, c'est pas le cas. J'aurais des cœurs bleus et tout, ce serait pas mal, mais là, je les ai pas. Un poil plus de dégâts. Juste un poil, avec un petit tears up, couronner le tout. Et là, on a la recette du succès. Ok, c'est quoi? C'est Maman 2. J'ai mon pouvoir. Je pense pas avoir mon boss rush. Est-ce que j'aurai mon devil? Je sais même pas non plus. Donc là, j'y crois tellement pas qu'en fait, je vais aller jouer correctement mon truc. Parce que de toute façon, mon boss rush, là, je peux pas y arriver, c'est clair. En fait, là, mon run est nul parce que je me suis endetté à vouloir faire ce putain de boss rush. Voilà. Comme la dernière fois. Et ça commence à me courir sur le système. Où est-ce qu'il faut que j'aille déjà avec mon Kane? Je suis en Kane là, c'est ça? Oui, je crois, non. Judas Kane. Ah mais attends, si j'ai Kane, ça veut dire que j'ai Lockfoot. On va aller vérifier ça. J'ai Lockfoot, je suis Kane, donc ça veut dire que je peux aller parier ma vie dans les salles. Ça c'est agréable, ça c'est pas mal. What the fuck? C'est bizarre comment ils se comportent mes tirs là. Ok. J'ai repris la tête de Krampus quand même parce que ça fait bobo. Et que je peux le charger correctement. Est-ce que je peux trouver ma salle secrète? Ah, ce sera pas là, mais bon. Ah, j'en étais sûr. À la limite, on va avoir un monstre caché dans la prairie là. Alors, tant que j'y suis, je les prends. Oh, alors toi, jamais de la vie, mais il disparaît de ma vue. Mais je l'ai déjà, la salle secrète, j'y suis déjà allé dedans, mais quelle honte. Oh, wow. Donc en fait, là, j'ai terminé, il y a juste ma salle d'arcade qui est là. Bon, alors, on va jouer un peu. On va jouer au moins dans quelques pièces, là. Une petite tears up sous la forme d'une pizza. Qu'est-ce que t'en penses? Un truc bien, là. Oh là là, putain, l'autre il me donne le droit de rejouer. Et l'autre il me donne pas du tout le droit de rejouer, il m'insulte complètement. Bon, on a quand même plein de cœurs, moi je prendrai le pari. Que l'on peut, genre, faire un truc super dangereux. C'est-à-dire qu'on parie qu'elle va exploser et nous donner l'amélioration. Le sac de vie qui nous remet toute notre vie et qui nous donne un cœur supplémentaire. Je prends les paris, mais je pense que je vais pas le... Est-ce que le... Oh là 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 là. Ah, je suis content de moi là. Ah, ça nous redonne la moitié.
Non, ça me redonne une 6 coeurs. Oh bah. Good lord. Ok, ça c'est moyen. Je suis pas contre avoir un peu plus de... Quel est le bonus qui nous fait... qui fait que nos tirs reviennent sur elles-mêmes, là, je comprends pas. Ça a l'air d'être Broken Hank. Pourquoi ce serait Broken Hank qui fait ça? Normalement, la Hank, la version normale du Hank, c'est quand tu meurs, tu réapparais en Blue Baby avec 3 coeurs. Blue Baby, c'est... c'est le personnage Isaac mort, entre guillemets. Parfait, allez, on s'en va. Il y avait quelque chose au shop, déjà? Oui, je crois bien. Et du coup, on a des sous, je vais les vérifier. De toute façon, là, le boss rush, c'est raté de chez raté. Du coup, bah, je me sens un peu plus à l'aise. On a une map, c'est cool, la map. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut prendre cette clé, mais après tout, je crois que ça nous donne luck up et des clés en plus. Donc c'est pas très intéressant, et accessoirement, je vais donner mes deux petites pièces à la machine, histoire de... un truc symbolique, quoi. Oui, puis ça, accessoirement, on va quand même pas le laisser sur la route. Bah parfait, du coup, on a augmenté d'un cœur notre vie. On va attaquer maman avec Monsieur Krampus. What the actual fuck? Mince. Kane, j'ai dit qu'on faisait Sheol. Hop là. Donc je vais prendre le négatif. On descend, on a un cœur supplémentaire, un cœur bleu. Pas de avec le devil. Dommage, parce que c'est le truc qui pourrait nous sauver là, c'est d'avoir des dégâts. Ce serait d'avoir des dégâts. Alors, notre map. Je suis content d'avoir pris, parce que mine on peut estimer à peu près jusqu'où sera le boss. Moi, je parie qu'il sera tout à droite. Parce que c'est la plus longue distance et que ça me paraît trop court. Pour le reste, c'est mon petit... C'est ce que j'ai appris en jouant. Je pense que c'est une technique comme une autre. C'est une technique valide. Oh la vache. Ah ouais, alors là par contre, si on peut pas ne serait-ce qu'abattre un seul d'entre eux, là, ça n'a pas fait plus plaisir. Alors heureusement qu'on a le tir shot. Donc mine de rien, on est à deux doigts d'avoir vraiment un truc qui nous emmène très loin. Il manque juste les damage. Et c'est pour ça qu'il faudrait pas tout jeter en l'air. Ce qui est ma spécialité. Bon, donc là, étant donné que t'es pas feignant, je te laisse faire. Il est puissant ce robot, mais faut pas qu'il se mette au chômage, quoi. Parfait. Non, pas parfait du tout. Range-toi. Je vais jouer tranquillement. Alors, il est effrayé, j'en profite. L'autre, il se serait retourné, il m'aurait mangé, j'aurais été dégoûté. Ok, c'est parfait. On n'a pas des sols bien compliqués pour l'instant, on va en profiter. Oh putain, ça c'est pas gentil comme ça par contre. Je les aime pas du tout ceux-là. Ok. Wouah, heureusement qu'on a... Ah bah voilà, ça fait deux fois qu'on a notre cube de viande et notre... Ouais, pas cette fois. Et notre mouche qui nous protège. Et on a notre Krampus juste à temps. C'est parfait. C'est pas mal. J'espère pouvoir one-shotter le boss. Et hop là, c'est parfait. Et on a le deal avec le début. Cette fois-ci, c'est la bonne. Pas mal. Pas mal. Scary, on va pas le prendre parce qu'en fait, nous, on a la version qui nous a été donnée gratuite. Par contre, on va prendre ça parce que ça, regardez ce que ça fait. Ça nous fait un petit brimstone. Plus le cœur qui va bien. On va pas prendre Scary parce qu'on l'a déjà... sous la forme d'un Disciple Angel. On est allé rusher le boss, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ok, encore un poil de dommage sur mes tirs, et peut-être un petit tirs up pour couronner le tout, comme j'ai dit, et là c'est un franc succès. Moi je dis vers le bas, moi je dis en bas à gauche. Oh putain, la connerie. Donc là, il faut que je pense à jouer avec mon Monsieur Brimstone. Par exemple, là, hop, je lâche, et c'est réglé. Là, je lâche, c'est réglé partiellement. Et ensuite, putain, mais calibre-toi bien, s'il te plaît, voilà. Calibre-toi bien, genre. Calibrage en cours! Alors, eux, je sais pas à quoi ils servent. Mais c'est pas très convaincant. Ok, 1, 2, 3, et. Oh là là! Oh putain, faut se concentrer là. Ok, pas mal, pas mal. On a un cœur qui est tombé, c'est cool. Parfait! Hop, je sais pas pourquoi je mets une bombe là, mais j'en mets une là. Ça a servi à rien, c'est pas grave. Ok, parfait. Je suis très content de ce Monsieur Brimstone. Notre Krampus est rechargé pile à temps et on a été au bon endroit, c'est merveilleux.
Alors là, je vais faire moins le mal. Oh là 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 là, quelle horreur. Ce cœur de maman est vraiment pas facile du tout, du tout. Tiens, calibre-toi, Brimstone. Enfin, bébé Brimstone plutôt. Oh, c'était monstrueux. Comment je suis censé survivre à ça? Genre, juste. Pourquoi je suis vivant même? Je sais même pas comment j'ai fait pour survivre aussi bien. Chiol. Let's go. Pas de 10 avec le David, pas de pouvoir. Luna, elle a le cul trempé au fait. Hein. Pourquoi? Elle vient de passer et j'en ai plein la main, je sais pas ce que c'est, mais elle a le cul trempé. C'est de la pisse? Je sais pas. Ta main sent? Bah, ça sent. Je sais pas, ça sent les nouilles japonaises. Les nouilles japonaises? Ouais, pour moi. Je pense que tu as mis la main dans la pisse. D'accord. Quoi? Ça sent les nouilles japonaises, je pense. Ça sent. Ouais. Allez, tant que t'es effrayé, tu bouges pas. Et tu meurs. Alors, Chiol. N'importe quoi. Les deux sont effrayés. Bernard a tué. Nice. Ok, super, super. Putain, on est à deux doigts de réussir. C'est marrant parce qu'on n'a pas de dégâts. Je me sens bizarre. Je sais pas sur quoi je tire, mais je tire. Je me concentre là parce que franchement je serais dégoûté de le perdre celui-là parce que il est pas facile dans le sens où on a essayé d'exploiter un maximum ce qu'on avait. Mais franchement il est. On n'a pas été trop gâté par le jeu entre guillemets. Si quand même. Bon, on a eu pas mal. Est-ce que je prends le risque ou pas? Non. Ça fait deux cœurs quand même. Et Satan n'est pas là. Si Satan n'est pas là. À ce moment-là, je vais essayer de trouver un raccourci dans la salle suivante à droite, là. Et ça voudra dire qui sera. Soit tout en haut, là. Soit tout en bas. Oh, putain. Oh non, ça c'était moche. Au moins, il y a notre mouche qui s'est mis en chasse. Oh putain, sur Chiol, on va manger vénère. Hein. Je suis en train de... Temps d'imaginer là. Ok, on va rester caché derrière le caillou parce que ça nous protège. Ce sera bien que je me focus sur un seul ennemi. Quoique s'il se regroupe, c'est très bien là. Bougez pas, vous êtes bien là. J'arrive pas à croire que je fais double Loki avec un Brimstone portatif, littéralement. J'ai essayé de placer mon robot bébé, mais il faudrait que vraiment. Il me fait bugger ce robot bébé, il n'y a rien à faire. Et progressivement on y arrive, hein. Tant qu'on est protégé, tout va bien. Et bah, pas prendre de dégâts là-dessus, ça fait plaisir. Hop 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 hop. Oh là là là, ça fait tellement mal, tellement mal. À droite. What? Non, j'aurais jamais dû faire ça. C'est une salle juste de merde. C'est juste une salle de merde. Faut tourner avec les rayons et espérer qu'ils se déploient, les bonhommes. Mais là, il est effrayé, donc il va pas se déployer. Toi, ouais, c'est nickel. À ton tour, nice. Oh là là, j'ai stressé pour rien. Ah, je suis à deux cœurs. Oh là 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 là, j'ai pris tellement cher. Ça fait tellement mal ce jeu. Oh, tu crèves, t'es effrayé, tu m'emmerdes pas. Oh là là mon dieu. Batchel, ce serait pas mal, mais malheureusement il nous manque juste un petit truc de dégâts. J'y crois, mais... Ok. Donc là, faut faire juste gaffe quand il revient par ici. Heureusement que je peux voler, hein, parce que sinon ce serait vraiment le drame.
déploie-toi. Non! Wow. Déploie-toi. Oh putain la vache. Full elf. Fuck. Que faire? Parce que là c'est pas possible avec deux cœurs. Aïe 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 aïe. Ah là là, à cause de deux salles. Deux seules et unique salle. Vas-y, on y croit. Putain la vache. Je sais bien comment ils font monter la pression au début. Ok, Fallen c'est facile, on l'a one-shoté déjà auparavant. Oh, j'ai pas mon Krampus. Bah non, j'ai pas mon Krampus, je l'ai jeté. Eh ok, plus qu'un dégât à prendre, et c'est la fin. Et voilà, c'est la fin. Oh là là, Dieu. Oh, oh. Oh. Broken Hank a fait effet. Je vais faire un truc bizarre. Mais je vais aller chercher la recharge de Krampus sans prendre de dégâts. Parce que je suis pas confiant dans mon... Oh putain, c'est une salle de merde. La vache. Il y en a pas un seul qui veut crever en plus, hein. Il prend pas ses balles en plus. Enfin, il prend pas ses balles. Il prend pas son Brimstone Pocket, hein. Ah, là, là t'as pris. J'adore le fait qu'il mette 10 ans à réapparaître. Bien pour te casser les couilles et faire monter la pression. Il en manque un. Oh. Déception, mon capitaine. Où es-tu, bonhomme? Comment il fait monter la pression? Parfait. Ok. Allez, encore une salle comme ça et c'est parfait. Tu penses, ça se trouve, je vais mourir comme une merde. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller si je me concentre à ne pas prendre ces putains de... Oh... Oh, je crois que je vais aller prendre un grand verre de coca après, parce que je crois que je commence à avoir ma tête qui bouille. On y est presque, on se concentre. Et c'est parfait. Oh là là. Donc, nous avons droit à 3 touches. Deux touches, pardon. On a le droit à deux touches. Donc déjà, Fallen. Je vais garder mon Krampus. Quel moment j'active mon Krampus? Sur la fin, et je vais utiliser mes bombes. Donc là, calibre-toi, monsieur Brimstone. Je vais la poser maintenant. Ça sert à rien. C'était bien. Ok, on prend pas de dégâts. On Brimstone tranquillement. Tu manges ta... Putain, je me suis mis dans le... Oh là 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 là, c'est la dernière touche. C'est la dernière touche, c'est la dernière touche, c'est la dernière touche. Et... Wow, c'est tellement pas passé loin. Alors lui, j'y arrive jamais. J'ai pris un risque là. Ah, je suis mort. Vache. Oh my god, my god, my god. C'était dur, mais c'était bon. Et j'ai pas gagné d'item au final. Mais c'est parce que je devrais me sortir le boss rush de la tête. Bah écoutez, c'était sympa, au plaisir. C'était Skullmasher. Bye.